Merci beaucoup. Donc nous reprenons après cette courte pause et je vais très vite laisser la parole aux deux intervenants. Donc c'est pour une communication à deux voix, effectivement. Donc je vais présenter les deux intervenantes qui sont Lucile Encrevet, qui est docteur en histoire de l'art, professeur en histoire de l'art aux Arts Déco, et Alexandra Piat, qui est étudiante en design graphique, qui est en cinquième année aux Arts Décoratifs. Vous allez parler toutes les deux de la place des femmes aux Arts Déco sur le long terme, ce qui va être passionnant. Je vous laisse la parole tout de suite donc pour une intervention de 40 minutes. Bonjour, merci de nous accueillir toutes les deux. Je m'appelle Alexandra Piat donc, et l'année dernière, j'étais donc en quatrième année, année où les élèves écrivent un mémoire aux Arts Déco. J'ai écrit un mémoire qui s'intitule « Sexisme aux arts décoratifs, lutter pour l'égalité ». Il a été dirigé par Lucile Encrevet et je vais revenir un petit peu sur l'origine de ce projet pour de cette façon un peu introduire la présentation de Lucile. Donc dans le courant de l'année 2018, comme le ministère l'a demandé à toutes ses écoles, notre école lance ses premiers groupes de travail pour la rédaction d'une charte pour l'égalité des genres. Donc c'est l'occasion de créer des discussions et ouvrir un travail sur cette question dans l'école, et ça donne lieu à une vraie prise de conscience pour les participants et les participantes de l'étendue du travail à accomplir au sein de notre école. Image suivante. On n'a pas la petite manette, donc pardon. Pour moi, c'est une révélation au moment où je m'interroge sur mon sujet de mémoire. À l'époque, je suis à la fin de ma troisième année. Je réalise qu'en fait, notre école a besoin d'un véritable état des lieux, qu'on ne peut pas travailler à l'égalité et à réduire les violences et les inégalités dans une école sans en connaître l'exacte teneur. Donc, pendant l'année, j'effectue des recherches et je constate que dans les livres consacrés à l'histoire de notre école, peu d'espace est donné aux femmes et à leur histoire. Une ou deux pages par-ci pour raconter la création de l'école pour jeunes filles en 1803 et sa réunion avec l'école de garçons en 1890. Une phrase par-là pour préciser que l'école devient mixte en 1949. Et en 2016, alors que nous sommes 65% de l'effectif étudiant depuis déjà longtemps et que notre école célèbre ses 250 ans, un livre est publié par l'école, que j'ai donc feuilleté pour mon mémoire, pour les recherches de mon mémoire. Il énumère 250 illustres, en vérité 260, étant passés par l'école, enseignants, enseignantes, directeurs et directrices, et évidemment étudiants ou étudiantes. Sur les presque 200 individus du XXe siècle, alors qu'à cette époque, dans les années 40 par exemple, on est un petit peu moins de la moitié de l'effectif, 20 sont des femmes sur les 200 individus, et en tout, donc, dans les 260 artistes cités par l'ouvrage, 26 sont des femmes. Les femmes illustrent... Image suivante. Les femmes illustres ont-elles si peu existé, ou le travail de recherche nécessaire à dénicher les femmes que l'histoire a plutôt oublié n'a tout simplement pas été fait? Je pense que ces deux réponses sont possibles. Et à la suite de ces recherches, je me suis penchée donc sur le présent. J'ai questionné mes camarades et j'ai cherché à établir l'état des lieux de la situation des femmes étudiantes aux arts décoratifs. Et j'en parlerai plus en détail à la fin de l'intervention de Lucile. Ces moments donc vécus l'année dernière et cette année sont les premières étapes d'une prise de conscience quant à l'étendue méconnue de notre histoire. Nous, les femmes des arts décoratifs, n'avons pas encore 250 ans. Nous avons 216 ans et ces 216 ans sont mal documentés. C'est d'ailleurs pour nous l'occasion d'imaginer une exposition qui mettrait en lumière cette histoire, projet que Lucile et moi réfléchissons en ce moment. Je vais donc lui laisser la parole pour qu'elle éclaire un petit peu pour vous cette histoire méconnue. Merci Alexandra. C'est en effet une histoire à travailler, à penser encore, et on le fait aussi d'abord pour les étudiantes et pour les étudiants. Image suivante. Donc on va se pencher ensemble en suivant un fil chronologique, sur cette histoire du point de vue des femmes de l'École nationale des arts décoratifs, l'ENSAD, les arts déco,
la place des femmes, la part des femmes dans cette école. Une autre histoire à écrire, hein, c'est le sous-titre qu'on a choisi, parce que l'histoire des arts décoratifs a fait l'objet de travaux importants dans les années 90, travaux qui ont été suivis de la publication de deux ouvrages, et on peut dire que la part des femmes y est extrêmement réduite. Le contexte, sans doute, n'était pas le même qu'aujourd'hui, et donc il y a un vrai travail à accomplir. Et c'est ce travail qu'on s'est donné pour but de faire. Et aujourd'hui, c'est une étape. Il y a l'exposition qui en sera une deuxième. Peut-être qu'on trouvera aussi d'autres étapes encore pour construire cette histoire. Avec des sources importantes, il y a des archives sur cette histoire des femmes aux arts déco, les archives de l'école qui sont conservées à l'école, et je remercie d'ailleurs la bibliothèque qui nous a beaucoup aidés, en particulier Lydia Mazar, la bibliothécaire qui est un peu spécialiste de l'histoire de notre école. Et puis aux archives nationales, il y a énormément de choses à fouiller. Donc on a besoin d'un savoir précis qui n'existait pas encore, qui commence à exister davantage, des noms qui manquent, des dates qui manquaient. Mais le but de tout ça, c'est de comprendre cette histoire dans son étendue, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et comprendre que l'école des arts décoratifs a toujours fonctionné en deux pans. Deux écoles de dessin d'abord, l'école de dessin pour garçons et l'école de dessin pour filles, puis qui sont devenues deux sections, la section des garçons et la section des filles, vous retrouvez ça dans ce déroulé, et qui ont une identité forte commune autour du dessin, autour d'une tension entre art et art décoratif, qu'on a toute cette identité encore celle de l'école aujourd'hui, l'importance du dessin, la tension art-art déco, et puis un écartèlement entre une volonté d'offrir cette école gratuite à une population défavorisée et la réalité depuis toujours des inscrits et des inscrites qui sont de milieux en réalité, la fameuse classe moyenne dès le départ, de milieux plus aisés. Et c'est toujours des questionnements de l'école aujourd'hui. Deux sections, deux écoles de sections et qui ont fini par être réunies progressivement, très progressivement vers la mixité. Donc une identité commune et aussi des inégalités évidemment importantes que nous allons croiser. Donc le départ, c'est la fin du XVIIIe siècle avec projet qui n'aboutit pas de Jean-Jacques Bachelier. Jean-Jacques Bachelier, c'est le créateur de l'école de dessin pour les garçons. On est en 1766 et quelques années plus tard, il décide de produire le pendant pour les filles. Alors, image suivante. Ça n'aboutit pas, même si à un moment le projet est repris par une peintre. Alors, Bachelier est peintre de fleurs, donc par une peintre, Adélaïde Labille-Guillard, qui, donc le mémoire pour l'école présentant l'école de dessin de Jean-Jacques Bachelier, l'Institut pour jeunes filles, est présenté aux États généraux en 1789. Et Labille-Guillard, elle, présente à l'Assemblée nationale un rapport sur l'instruction des filles en 1791. Donc ils sont réunis tous deux par cette volonté, donc, qui ne débouchera pas immédiatement d'une école, d'une instruction pour les filles dans les arts. Et là, ils sont réunis dans cette œuvre, puisque c'est Labille-Guillard qui peint Bachelier. On est en 1782 pour cette œuvre qui est au Louvre. On connaît très bien le projet de Bachelier, qu'on dit arrêté par la Révolution. Le mémoire est extrêmement précis. Il souhaite une école vertueuse et utile, et c'est vraiment fondateur l'école de dessin pour jeunes filles qui va apparaître au début du 19e siècle, qui va être créée au début du 19e siècle, suit vraiment ses préceptes. Vertueuse et utile, pourquoi ? Elle s'adresse à cette fameuse classe favorisée qui est visée donc dès le départ, pour les garçons aussi, deux classes sociales, dit-il, une classe intermédiaire, aux revenus bornés, je le cite, et pauvres. Il s'agit de les sauver du vice, ces jeunes filles, en leur ouvrant la carrière des arts mécaniques, donc en leur apportant des métiers solides, en leur enseignant le dessin comme la base vers les métiers, vers les fabriques, vers les industries. Image suivante.
Il vise des femmes âgées, alors comme pour les garçons, de 8 ans et 17 et 8 ans, jusqu'à 14 ans. 200 femmes, vous voyez, 200 femmes choisies par messieurs les curés, prévoit un enseignement où on a les attendus du féminin, vous avez les travaux d'aiguille, vous avez la tapisserie, mais aussi, mais pas seulement, vous avez également la ciselure ou l'horlogerie, donc quelque chose, un projet qui est très ouvert. 200 femmes donc choisies, 200 petites filles, avec un enseignement sur 2 ans, la première année travaillant le matin et la seconde l'après-midi. Donc 200, les garçons à l'école des dessins, pour les garçons, sont 1500, qui là aussi fonctionnent par roulement. Le projet est stoppé et il est repris par une femme peintre, qui a pour nom Marie Frère de Montizon, donc image suivante. On a assez peu d'informations sur Madame Frère de Montizon. Elle est née aux environs 1760, elle meurt en 1845. Elle est absente du Bénézit, du Thiemebecker. On a assez peu d'informations. On sait qu'elle était l'élève, vous l'avez dit, du peintre d'histoire Jean-Bernard Rustoux. Elle crée l'école en réalité en 1802. C'est en tout cas ce qu'on a dans les écrits de ses filles, dont on va parler dans un instant, mais l'ouverture officielle autorisée par des pouvoirs locaux a lieu en 1803. Elle a des appuis, notamment privés et financiers, qu'elle arrive à obtenir assez vite, mais en 1810, elle obtient ce qu'elle demande depuis le départ, une subvention de l'État, établi par décret le 8 mars. Donc là, ça vient des archives nationales, c'est le brouillon du décret qu'on a là. Et elle appartient désormais aux maisons spéciales entretenues par l'État, devient école spéciale et gratuite de dessin pour les jeunes personnes. Elle est gratuite, même si les parents aisés payent en réalité une légère contribution. Elle a plus... image suivante. Elle a plusieurs adresses. La première, c'est la rue de la Harpe. On le voit dans les invitations. Donc, elle pratique, ce sont des invitations à la remise de une distribution de prix. Donc, elle pratique ce que prévoyait Bachelier dans son programme, l'émulation, qui est aussi présente par les concours et les prix, qui est aussi présente chez les garçons. Et donc, elle envoie, c'est aux archives, cet envoi d'invitation pour la distribution des prix au ministre pour lui donner envie de soutenir l'école. Donc, on est en 1807 et on voit l'adresse de l'école tout en bas, rue de la Harpe. C'est la première adresse. Image suivante. La deuxième adresse, c'est issu de l'almanach de 1812 où elle est référencée chaque année. Elle est située dans la cour de Rouen, numéro 3, passage du Commerce. Et image suivante. Troisième adresse, et c'est celle qu'elle va garder le plus longtemps, après 1813, elle se situe dans l'ancien collège des Cordeliers, rue Touraine-Saint-Germain, l'actuelle rue Dupuytren, dans le 6e. Et on voit que progressivement, en fait, elle se rapproche de l'école des garçons, qui est située à la rue de l'école de médecine. Donc, vous voyez, il y a la plaque de la rue de l'école de médecine. On est vraiment à l'angle. Et l'école est là où vous voyez le drapeau. C'est une photographie ici de Charles Marville, qui est conservée à Carnavalet, qui date de 1866. Donc, l'école est toujours rue de Touraine. Et le drapeau indique bien sa situation. Image suivante. On a aussi le plan de l'école, donc qui s'installe, vous voyez, dans des écuries, dans des remises, une écurie et remise, des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Donc il y a 200 élèves, comme le pensait Bachelier, mais les élèves sont un tout petit peu plus âgés, elles ont de 12 à 25 ans, ce qui va rester le cas pendant de plusieurs décennies. La fondatrice est professeure, elle s'adjoint un professeur, Monsieur Tarré, qui va mourir assez rapidement et qu'elle va remplacer par ses filles, donc image suivante, qui sont Thérèse, Justine et Flore. Donc on a aux archives, il y a énormément il y a les factures, il y a les rémunérations des différents employés. On a beaucoup sur les finances, sur l'état des finances des différentes écoles qui succèdent, différentes directrices, puis
puis écoles et sections, on a beaucoup d'informations qui permettent de connaître par ce biais-là pas mal de choses sur l'école. Donc elle s'adjoint ses deux filles, d'abord Thérèse Justine, puis Flore, qui est un peu plus jeune, qui est dans un premier temps inspectrice, puis professeure, et qu'on connaît mieux. Elles sont référencées. Elles sont peintres d'histoire et de paysage, elles sont passées par l'école de leur mère, puis ont reçu les leçons de Giraudet. Giraudet qui sera d'ailleurs, qui présidera un des jurys dans la première moitié des années 1820. L'enseignement a lieu tous les deux jours, de 9h à 15h, donc là sur la journée complète, donc le lundi, le mercredi, le vendredi. On y enseigne les quatre genres du dessin, figures, ornements, animaux et fleurs, à partir de gravures. Donc ça, c'est le même système que chez les garçons, la gravure comme point de départ. En revanche, les garçons ont cours de dessin, eux, dans leur école tous les jours. Et ils ont en plus, ce qui ne me semble pas un détail, parce que c'est extrêmement genré, les cours de géométrie, d'arithmétique, de perspective et d'architecture. Et on va voir que dans l'école, ça va être un vrai challenge d'avoir accès à ces cours-là. Il y a vraiment symboliquement quelque chose de fort qui se joue quand on accède aux cours d'architecture ou de géométrie. Image suivante. Donc on a une lettre, j'ai trouvé au moins deux lettres de Montizon au ministre de l'Intérieur, où elle explique ce que représente l'école. Pour elle, cette école offre aux élèves le moyen d'augmenter leurs ressources, vous retrouvez la phrase dans la lettre, par une heureuse industrie, et par cela même devient le garant des bonnes mœurs si précieuses à la société. On est bien là exactement dans cette école vertueuse et utile, hein, souhaitée par Bachelier. Dans la revue Le Monde moderne de 1895, on trouve rappelée l'ambition de cette école portée par Madame de Montizon, celle d'appliquer le dessin aux étoffes, donc par exemple les indiennes, au papier peint, dentelles, fleurs artificielles, éventails, enluminures, peintures en tabatière, camailleux et vignettes. Il s'agit bien donc de former ces jeunes femmes aux arts décoratifs. Or, c'est tout le problème. En 1828, dès la fin 1827, l'État s'inquiète de ce que l'école dévie de ce but initial et devient une école pour faire des artistes et non plus des ouvrières. Elle fait des artistes et non des ouvrières. On trouve ça dans un article de la Gazette des Tribunaux de 1829. Alors, image suivante. On nomme une commission de surveillance de cette école dirigée par une femme. On met trois hommes pour la surveiller, donc un peintre, un graveur et un sculpteur, David d'Angers. Scandalisée, elle démissionne. Mais l'école est reprise par ses deux filles. Les demoiselles, frères de Montizon, Justine, Thérèse Justine et Flore, qui vont rester à sa tête jusqu'en 1848, qui sont défendus d'ailleurs par les membres de la commission, notamment qui cherchent à établir une forme d'égalité. Hein, ils parlent d'acte de pure justice entre les rétributions des professeurs de l'école de dessin pour garçons et, alors qu'elles sont moins payées, les rétributions des deux sœurs, frères de Montizon. L'école ouvre désormais tous les jours, sauf le samedi. Et les sœurs, image suivante, elles le rappellent dans une lettre où elles demandent à être mieux protégées financièrement quand elles ne seront plus directrices et professeurs. Elles amènent plusieurs innovations dans l'école. D'abord le dessin d'après des modèles en relief, d'après la bosse. Elles ont une collection, on a l'inventaire précis de leur collection de 83 bosses. Et une classe de lithographie qu'elles mettent en place en 1832. Elle note aussi, alors ça c'est dans l'inventaire justement, qu'un des débouchés de leurs élèves, qui leur semble important et nouveau, c'est l'enseignement. Sur ces deux sœurs, Rosa Bonheur, image suivante, n'a pas des propos très amènes. Elle qui leur succède en 1849, de 48 à 49, il y a un petit intermède, c'est le père de Rosa Bonheur qui c'est lié au changement de régime politique, hein, c'est la République. Raymond Bonheur, qui est un enseignant, qui prend en charge l'école, mais il meurt très rapidement, et donc c'est sa fille qui est nommée, Rosa Bonheur,
Et ce coffre est offert par les jeunes filles de l'école à Rosa Bonheur. Alors, c'est la photo est d'Alexandra. Elle vient de la maison de Rosa Bonheur hein, à Thomery, qu'on peut désormais visiter. Elle est seule directrice et professeure. Alors, par rapport à l'équipe assez importante de l'école de garçons, il y a une vraie différence. Elle dit qu'elle est aidée par sa sœur dans ses discours. Donc, on sait que Juliette Bonheur a aussi participé à l'aventure, mais Juliette Bonheur n'est pas du tout officiellement nommée professeure et n'est pas rétribuée. Ça, on le sait, on a les rétributions associées. Rosa Bonheur seule est payée pour diriger l'école. Elle va diriger l'école pendant 10 ans, ce qui est important, jusqu'en 1860. On connaît ses exigences. Il y a notamment des souvenirs du peintre Tony Robert Fleury qui sont rapportés par Anna Klumke. Mais elle ne change pas grand-chose dans l'école. Elle amplifie ou elle renouvelle les estampes et les bosses par de nombreux achats. En particulier, elle fait aussi acheter des estampes d'après ses propres œuvres, d'après en particulier ses études. Ces petites études d'animaux. Et puis, alors, c'est selon le traité de l'administration de 1885, elle introduit la gravure sur bois. Elle continue le système des concours, des prix, de la distribution des prix, à laquelle elle donne une forme de grandeur en invitant des invités prestigieux et en général des hommes. Hein. Pour l'instant, j'ai trouvé exclusivement des hommes, comme par exemple Hippolyte Flandrin. Il y a chez Rosa Bonheur quelque chose de... Elle est un peu one of the boys. Hein. Elle est seule femme parmi les hommes. Elle est extrêmement fière et défend fortement... elle est très engagée du côté de l'éducation des filles. Il s'agit, dit-elle, de donner les moyens aux filles de conquérir leur existence. Je trouve que la formule est belle. Elle le dit dans une lettre au président de la Société des Amis des Arts de Dijon, qui lui demande conseil pour ouvrir une école de dessin. Et elle note là une difficulté qu'elle rencontre dans l'école, alors qui est peut-être liée à la gratuité, hein, on vient d'en parler, et donc qui concerne aussi les garçons, mais qu'elle pointe pour les filles d'une présence trop intermittente, d'un problème d'absentéisme. Qu'elle lie au fait que les jeunes filles habitent loin, qu'elles sont beaucoup demandées par leurs parents. Alors j'en parlais avec Alexandra et je me disais, la question des menstruations aussi peut être ajoutée comme explication. J'imagine qu'au XIXe siècle, ça devait être compliqué. En tout cas, voilà, ça c'est un point qui va rester lié à l'histoire de l'école du dessin et de la section des filles ensuite, ce problème des absences. Elle va être remplacée, image suivante. Ah oui, alors là, j'ai oublié, voilà, cette image-là, c'est les estampes qu'elle commande, qu'elle fait parvenir. J'aime bien voir la signature de Rosa Bonheur sur tous ses papiers. Donc, de ses propres petites études d'animaux qu'elle fait entrer à l'école. Les grandes études d'animaux arriveront au début des années 60. Donc, image suivante. Après elle, donc, une autre directrice prend sa suite en 1860, c'est Nelly Marandon de Montiel, avec un Y, qui est peintre, qui est notamment peintre en miniature, active avant son entrée dans l'école comme directrice. Et ça, c'est une sculpture d'elle réalisée, alors l'image est un peu floue parce que c'est un détail, par un sculpteur qu'elle fait entrer dans l'école comme professeur associé, qui est Louis Schroeder. Image suivante, c'est sous elle que l'école rejoint une adresse qui va être compliquée dans son histoire, c'est le 10 bis rue de Seine. Là aussi on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la petite partie parce que c'est le 10 bis, ce n'est pas la grande entrée, c'est sur le côté gauche et on devine le drapeau. Hein, image suivante, on a aussi j'ai aussi trouvé le plan. C'est un local, le 10 bis rue de Seine, qui est celui de l'école à partir de 1875, hein, déménagement le 10 avril, mais qui pose problème à cause de l'insalubrité des locaux. En fait, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a les grands espaces, c'est une cour et un jardin auxquels les élèves n'ont absolument pas accès. Elles ont accès uniquement, en fait, c'est un L, à cette espèce de couloir qui les mène tout au fond sur une salle, dans la salle de dessin. Il y a quelques espaces annexes, notamment, qui vont être investis notamment aux étages, mais c'est essentiellement ça, cette salle, et elle est très mal éclairée, très mal ventilée, puisqu'on ne peut pas... Ah oui, oh,
Vous voyez. Les élèves n'ont pas le droit, parce qu'il y a un voisin un peu compliqué, d'ouvrir les fenêtres. Et donc, c'est image suivante. Et pourtant, elles vont rester jusqu'en 1928, malgré les plaintes. Il y a des lettres, on a beaucoup de lettres, hein, des lettres d'étudiantes, enfin d'élèves, des lettres de parents inquiets. Là, c'est une lettre d'Olivier Souêtre, qui est le père de Jeanne Souêtre, que j'ai retrouvée, qui est inscrite en 1889, qui s'inquiète pour sa fille, donc on est en 92, qu'il retire pour l'emmener à la campagne, et il a peur de la remettre dans l'école. Il y a cette belle phrase en bas, « Certainement, elles ne sont pas toutes appelées à devenir des artistes, mais toutes ont besoin d'air. Hein » Et il parle du local meurtrier de la rue de Seine, qui engendre l'anémie et la phtisie, et même la mort. Et c'est vrai que dans le journal de l'école, on a un journal très précis de l'école entre 94 et les années 10, qui devient un peu moins intéressant dans les années 10. Et un des grands sujets, c'est le délabrement de l'école, les problèmes rencontrés, et de temps en temps, une élève meurt, et on assiste à l'enterrement. Donc il y a quand même quelque chose d'assez grave qui se passe dans ces lieux. L'école est ouverte de 10h à 16h, toujours la même 12-25 ans, 3 ans d'études avec 2 divisions, une division élémentaire, une division supérieure. Il y a 343 inscrites en 81, mais en fait toutes ne sont pas admises, elles restent 200. Chez les garçons en 72, donc c'est un peu avant, mais pour vous donner un ordre d'idée, ils sont 800. Nelly Marandon de Montiel introduit vraiment des changements importants dans l'école. D'abord, image suivante, le dessin va se faire d'après le réel. Alors on a beaucoup, là c'est des traces, donc toujours cet état des finances qu'on a, d'achat de fleurs. On dessine d'après les fleurs, donc on connaît précisément les fleurs qui leur servent de modèle. Et puis on a beaucoup de notes de modèles, hommes et femmes. Donc ici, Alphonse Hébert, mais si j'avais su hier, je me suis dit mince, il y a aussi il y a beaucoup d'Italiens, en effet, énormément d'Italiens et d'Italiennes qui posent à l'école, puisque c'était un des sujets hier. Une grande variété du dessin, hein, on sort des 4 genres, on le voit dans la distribution des prix. Il y a des prix pour un lavis d'après l'ornement, pour des compositions étrusques, des études gothiques, et puis le dessin de mémoire. Alors, ce que la méthode Cavé, ça, j'ai pas trouvé de traces, mais ça mériterait d'être cherché, est à l'origine, 1850. Donc là, on est à partir de 1860. Le dessin de mémoire est introduit dans l'école. Il y a 3 grands concours, dessin, composition d'ornement, sculpture, beaucoup de cours nouveaux. Image suivante. Donc on voit là, l'équipe s'agrandit, associée à des enseignants et une enseignante pour la gravure sur bois. C'est la seule femme, Madame Brux, et elle sera remplacée ensuite par Augustine Corduan. Donc, je ne peux pas tout vous lire, mais le dessin industriel, la géométrie entre dans l'école, l'histoire de l'art, l'anatomie, donc des éléments vraiment extrêmement importants. Il y a en 1885, là on a le budget de 82, donc 85, 9 professeurs, 4 titulaires, 2 maîtresses répétitrices, donc pour la géométrie, Madame Labouret, qui sera remplacée par Madame Plusanska, et pour le dessin, Madame Lemaître, Augustine Lemaître, remplacée par Madame Contal. C'est donc une école mise en place là qui est très ambitieuse, importante. Le traité de l'administration en 1885 le dit bien, qui présente les nombreux débouchés maintenant qui sont offerts aux élèves, la peinture, hein, toujours l'art, la gravure, l'enseignement et puis l'industrie du luxe. L'école est un peu comme l'école des garçons, qui est appelée la petite école, considérée aussi comme une première étape. Souvent, les élèves poursuivent leur éducation dans une autre école ou dans des ateliers. Malgré cela, l'école est taxée à l'époque d'être une école d'agrément. Alors, à cause des absences, à cause d'une forme d'embourgeoisement, on n'a pas le public visé. On a des listes d'élèves avec les métiers des parents, on n'a pas tout. Mais il y a beaucoup d'enfants d'employés, hein, dans ce qu'on trouve. Mais vous avez aussi des enfants de médecins, mais vous avez aussi des enfants de concierges ou de lingers. Il y a des bourses à partir de cette époque. Il y en a 6 qui sont apportées chaque année.
Et donc, premier reproche, une école d'agrément. Deuxième et reproche, une école qui fait des artistes et non des ouvrières, toujours. Et c'est une des raisons pour laquelle l'école est transformée en section pour jeunes filles et qu'il y a donc et l'école de garçons qui est devenue l'école des arts décoratifs, mais on peut dire pour garçons, va devenir la section des garçons de l'école des arts décoratifs avec un même directeur. Ce n'est pas Nelly Marandon de Montiel qui est choisie comme directrice pour les deux sections, évidemment. C'est le directeur de l'école de garçons, Gaston Louvrier de la Jolée, qu'on connaît parce qu'il s'est opposé à l'entrée des femmes à l'école des Beaux-Arts. Il était pour que les femmes aient une éducation, mais une éducation du côté des arts décoratifs. Donc c'était la bonne personne pour ramener l'école, recadrer l'école du bon côté, peut-on dire. Donc directeur commun. Budget commun en 1892 et le directeur va mettre en place un certain nombre de mesures pour redresser l'école, hein, c'est un peu comme ça qu'il le pense. On le voit dans le journal, il lutte contre les absences, hein, il y a vraiment une attention très forte portée à cela. Il monte l'âge d'admission à 15 ans en 1894. Il institue un concours qui concerne les garçons et les filles en 1899 avec une épreuve spécifique pour les femmes, un exercice de dessin d'après la bosse qui permet donc de mieux maîtriser le public visé. À cette époque, donc, les deux sections sont jointes, mais sont jointes aussi à notre école depuis plusieurs années, deux écoles de région qui sont l'École nationale d'art décoratif de Limoges, dont on a parlé, et celle d'Aubusson, et qui ont en effet ce site spécifique, elles sont ouvertes aux garçons et aux filles en nombre égal. Donc c'est assez rare. Par exemple, alors je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer dans les détails, mais à Limoges, il y a 600 élèves, dont 300 filles. Il y a un atelier commun à Aubusson, il y a des femmes professeurs dans ces années 80. Donc c'est aussi un modèle d'une certaine manière là pour les sections parisiennes. L'école parisienne change en réalité assez peu, il y a toujours deux divisions, on est à 180 élèves en 92, les cours ont lieu avec une pause à midi de 9h à 16h, les débouchés restent les mêmes, dessin de mode, imagerie, enseignement. Les professeurs dont on a vu qui est toujours là, la liste sont restent pour une grande partie, hein, parfois que quelques années, mais il y en a qui vont rester assez longtemps. Les cours reprennent les cours existants, il y a quelques cours qui sont ajoutés, et en particulier est célèbre le cours d'Hector Guimard, image suivante. Alors ça, vous allez avoir la lettre du directeur où il dit un déclassement désastreux hein, que risquent les femmes si elles vont du côté des Beaux-Arts. Image suivante. Ça, c'est le journal. Image suivante. Voilà, donc le cours d'Hector Guimard qui intervient chez les garçons et chez les filles. D'abord chez les filles pour un cours de dessin géométrique, tracé des ombres et perspective, qui n'est pas si loin d'un des cours proposés par Montiel, mais qui est évidemment accompagné de la renommée d'Hector Guimard. Et on a des albums de ses élèves. Ça, c'est celui d'Anne Catalifo. Et puis, l'école se centre sur des cours de décoration, architecture décorative, composition d'ornements, ce qui va devenir aussi l'atelier d'études documentaires, avec un atelier de décoration mis en place en octobre 1995. Il y a des cours de garçons qui sont aussi donnés aux filles, comme le cours de croquis rapide au début du XXe siècle. C'est un fonctionnement qui va perdurer jusqu'à la mixité. Par exemple, pour obtenir, il y a un certificat qui est mis en place en 1920, 7 certificats pour les garçons, 1 de décorateur pour les filles, et il répond aux critères de ces différents cours. Il y a quelques femmes professeurs, elles sont surtout répétitrices et correctrices, ce sont des anciennes élèves. Donc je vais en citer qu'une, je n'ai pas beaucoup de temps, Jeanne Bogureau, image suivante, qui est inscrite à l'école en 1890, et qui est, image suivante, qui multiplie les prix, qui est une multiprimée à la fois à l'intérieur de l'école, donc par exemple pour ce projet-là, mais aussi à l'extérieur, elle participe à de nombreux concours, et qui va ensuite travailler, ce qui n'est pas un hasard, puisque Bachelier en avait été le directeur artistique, pardon, je vais un peu vite, à la manufacture, image suivante, la manufacture de Sèvres, ici un sucrier au mur, mais qui disparaît. Elle se marie, elle disparaît. On n'en parle plus du tout, image suivante. Par exemple, à l'exposition du Jubilé en 1951, elle n'est pas présente dans les anciens et les anciennes élèves.
alors que nous trouvons parmi elles deux élèves des années 10 qui ont été portées. C'est un moment assez porteur pour les femmes. Eugène Morand, le directeur, est un soutien pour les élèves. Et par exemple, image suivante, Shana Orloff, qui s'inscrit comme Anna Orloff, arrivée deuxième au concours en 1911, dont on connaît la carrière et qui est fortement appuyée par Morand, ou encore Paul Marot, designer textile, image suivante, donc qui est là avec ses deux comparses à l'époque des arts décoratifs, image suivante, designer textile, coloriste, célèbre pour avoir travaillé avec Renault dans les années 50, mais membre active de la Société des artistes décorateurs dès les années 20, qui entre à l'école, je dois marquer la date quelque part, oui, à 14 ans, à partir de 1916 jusqu'à 1919. Image suivante, l'époque Morand explique peut-être cette lettre au directeur formidable, je vous en montre que la première partie, où une étudiante demande à ce que le caleçon soit enlevé au modèle de manière assez drôle, parce que les étudiantes disent qu'elles ne peuvent pas réussir les concours dans lesquels les modèles n'ont plus de caleçon, elles n'ont pas pu s'entraîner. Image suivante. On ne sait pas à partir de quand le caleçon est tombé, mais en tout cas, il est tombé dans les années 30. On en a la preuve parce qu'on a de formidables archives à l'école grâce à un don d'un enfant de cette femme, Jeanne Brunel, image suivante. Un de ses enfants a donné toutes ces archives liées aux arts décoratifs. Donc, on a absolument tous les dessins, images suivantes, des différents cours. Donc, ça, c'est photo de classe de Jeanne Brunel. Et également de son mari. Ils vont devenir enseignants. Donc, on peut aussi comparer. Et souvent, on voit qu'ils ont même s'ils ne sont pas dans les mêmes salles, ils ont les mêmes modèles et ils ont les mêmes cours. Image suivante, donc les différents cours. Je vous fais un petit choix, et c'est assez formidable. Donc, cours d'anatomie, image suivante, de composition décorative, image suivante, et d'architecture décorative. Je ne sais pas si vous avez vu dans la photo de classe, ce n'est plus le même lieu. On est donc là entre 31 et 35. On est rue d'Ulm. Ça y est, les deux sections ont été réunies dans un même lieu. Image suivante. Mais les filles sont cantonnées sous les toits, au quatrième étage, dans cet espace dont nous avons le plan. Elles restent donc séparées. Image suivante. Telle que cette photographie d'un atelier de dessin de 1931, le montre. Et il faudra attendre, ça va courir tout le long des années 30 pour qu'une mixité très progressive se mette en place. Image suivante, là on a une photo de 42. En particulier, et les élèves le demandent eux-mêmes, les élèves garçons le demandent, l'ouverture des ateliers d'art industriel et de peinture décorative, c'est 38, donc c'est très tard. On a deux élèves célèbres qui vivent ce moment de bascule de la mixité. C'est, image suivante, Geneviève Ponce, qui a le certificat de l'école en 1946 et qui dirige la maîtrise des galeries Lafayette dès 1952, image suivante, connue pour son mobilier, notamment pour enfants, ou encore Geneviève Haas. Donc Geneviève Ponce, elle est élève de 41 à 44, Geneviève Haas de 40 à 42 avant de libérer l'Europe. Vous savez qu'elle rentre ensuite dans l'armée. Donc image suivante pour Geneviève Haas, qui réalise à l'époque, image suivante, des natures mortes. Donc on a là presque la moitié, ce que tu disais Alexandra, presque la moitié, 200 jeunes filles pour 450 élèves à la libération. 46, on commence à avoir des textes qui parlent de mixité à l'école. Image suivante, c'est pas du tout le cas chez les enseignants. Il y a une femme là, mais alors c'est la bibliothécaire, Madame Levasseur, qui est apparemment exceptionnelle, mais on cherche les femmes et on va les chercher très longtemps à l'école. Hein, on peut dire que les femmes arrivent vraiment fin des années... On les cherche toujours. On cherche toujours. Il y a quelque chose qui change au début du 21e siècle à l'école. Donc cette photo fait un peu peur. La mixité pour les élèves, c'est 49, image suivante, avec l'article 17 de l'arrêté du 10 juin 1949. Et immédiatement, alors là, pardon, je vais passer vite, pourtant c'est passionnant, image suivante, il y a immédiatement des plaintes d'élèves pour des menaces de viol ou pour des agressions. Là, c'est un rapport sur une agression au quatrième étage sur une jeune fille qui venait s'inscrire, avec, d'ailleurs, dans le rapport, une manière de gérer la situation qui semblerait très problématique aujourd'hui. Il y a des problèmes lors des bizutages, des baptêmes qui visent les filles. Image suivante, il y a un professeur qui s'en offusque et qui réagit, donc je lui rends hommage, Paul-Auguste Charlemagne, ici présent, qui écrit à la direction à ce sujet.
Et dans ce moment donc de la mixité qui s'ouvre, mais dans les, par exemple, on a les registres d'inscription des étudiantes, les registres sont séparés jusqu'en 72. Hein, les filles et les garçons ne sont pas inscrits ensemble. Donc on voit que c'est quand même très progressif. On a deux anciennes élèves qui sont célèbres, mais il y en a d'autres, hein, qui étaient présentes d'ailleurs à elle au Centre Pompidou. C'est, image suivante, Daniel 40, dont je vous montre ici un dessin, qui a aussi été donc designer, un dessin pour son fauteuil Albatros, qui a été aussi une enseignante, qui pratique également la peinture. Donc... aujourd'hui, ce qui me donne pas mal d'espoir. Nous voulons surtout inciter les étudiantes à se réapproprier leur école, à reprendre et repenser leur place en son sein. Par exemple, nos deux amphithéâtres portaient le nom de Jean-Jacques Bachelier, fondateur de l'école, et d'Auguste Rodin, l'un des illustres. Nous avons récemment nommé la salle d'exposition de l'école la rotonde Rosa Bonheur, qui rend hommage à donc, cette grande artiste dont on connaît très peu la carrière, nous-mêmes, en tant qu'étudiantes. Cette école est à nous et nous voulons pouvoir y étudier paisiblement, ne pas perdre un seul instant à modifier nos comportements pour nous éviter de vivre des situations indésirables. Nous allons faire en sorte que ce ne soit pas oublié aussi parmi les illustres de notre école, les femmes qui marquent leur discipline. Encore récemment, Céline Devaux remportait le César du meilleur court-métrage d'animation en 2016 pour le repas dominical, étudiante aux arts décoratifs. Pénélope Bagieux a été récompensée cette année d'un Eisner Award dans la catégorie meilleure édition américaine d'un ouvrage international pour les deux tomes de sa bande dessinée Culottée, que j'espère vous connaissez tous. Et voilà, je vais conclure là-dessus. Tu as parlé aussi d'Annette Messager. Il s'agirait de repenser notre histoire pour nous en donner la propriété. Image suivante, on va finir avec ça, la couverture du mémoire. L'égalité. Merci. On va enchaîner sur les questions dans le public, s'il y en a déjà. Alors, j'ai une question qui n'est pas directement en relation avec votre intervention, mais qui est plutôt un effet de curiosité, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée à la rue d'Ulm. Je voulais savoir si vous observez aussi à la rue d'Ulm, là. Aussi à la rue d'Ulm, ce qu'on peut observer dans d'autres sections d'art décoratif qui étaient autrefois, occupées beaucoup par des hommes en tant qu'enseignants et en tant qu'étudiants, une féminisation des étudiants qui deviennent majoritairement des étudiantes ou pas. Alors, voilà. Je te laisse répondre puisque c'est en plein dans ton sujet. Alors on est depuis de nombreuses années 65% de l'effectif étudiant. Je ne crois pas que parmi les secteurs il y ait beaucoup de différences dans la répartition des étudiants et des étudiantes en termes de discipline. Il y en a une néanmoins parmi les professeurs, c'est-à-dire qu'en design graphique aujourd'hui dans ma section on peine à trouver des professeurs femmes, elles sont deux, les hommes doivent être 8 ou 10. Dans le secteur design textile et design vêtements, évidemment les femmes sont plus nombreuses, donc il y a toujours parmi les personnels techniques aussi, les responsables d'atelier, un énorme gap entre les hommes et les femmes et parmi les enseignants aussi. C'est important pour nous de faire changer ça, parce que nous sentir représentés et voir pouvoir nous projeter dans les enseignants et les enseignantes, évidemment qu'on peut se projeter face à des enseignants, bien sûr, mais il est hyper important que nous soyons en contact avec des enseignantes et des artistes, puisque nos enseignantes sont toutes des artistes et des designeuses qui sont plus ou moins influentes, et c'est très positif d'être influencée par elles, donc on déplore ce manque de femmes parmi nos profs. Et par contre, effectivement, l'effectif étudiant est très majoritairement féminin. Par contre, j'aimerais bien soulever un petit point. J'étais sûre que tu allais en parler. C'est que on a, pendant les groupes de travail, justement, qui ont mené à beaucoup de discussions et à beaucoup de témoignages de la part des enseignantes comme des étudiantes comme des enseignantes, des enseignantes relataient des propos fait par des hommes qui font partie des enseignants au concours, qui disaient qu'il y avait trop de femmes dans cette école et qu'il fallait privilégier les garçons.
En fait, on pourrait penser que c'est juste une réflexion d'un prof comme ça, mais sur les dernières années, sur une bonne, un bon échantillon d'années dernièrement, on constate que les garçons sont favorisés à l'entrée au concours des arts décoratifs, quel que soit le concours, première année, deuxième année, ou quatrième année. Depuis, on a, depuis cette année, il a été vraiment pointé cette anomalie, parce qu'il y a parfois une chance sur, je ne sais plus comment... Il y a eu des années où, si on regarde les statistiques, les garçons avaient, en fonction du résultat qui a été fait et de ceux qui ont été admis, avaient deux fois plus de chances d'être pris. Donc, c'est quelque chose qui ne se justifie pas, puisque les femmes dans le milieu de l'art et du design ne sont pas encore majoritaires et dominantes, en fait. Donc, on ne peut pas rétablir faire une sorte de discrimination positive pour les garçons qui seraient écrasés dans ce milieu. Ça n'est absolument pas encore le cas, et on ne verra sûrement pas ça un jour. Donc voilà, on est nombreuses, mais les hommes de l'école trouvent que nous le sommes trop. Les enseignants, bien sûr. Pas tous. Certains. Beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des cas d'agression sexuelle, comme il y a pu avoir à l'ENSBA, avec un changement de direction? Et si oui, est-ce que vous avez fait remonter ces informations au ministère concerné? On n'a pas de cas avérés. Hein. Pas à ma connaissance. Des cas de harcèlement sexuel? Oui. Oui. Et vous avez fait remonter les informations? Qui ont été fait remonter à la direction. Et je tiens vraiment à préciser que je dis nouvelle direction parce que ça fait donc 2 ans que le directeur de l'école, le directeur des études et le directeur général des services ont changé. Et que ces 3 hommes sont plutôt ouverts à ces questions. Et, il y a une femme qui va arriver. Oui, le directeur général des services va être remplacé cette année par une femme. Et donc le directeur des études, notamment, qui a reçu récemment des femmes victimes de harcèlement sexuel dans l'école, ont été, et j'y ai assisté, très, comment dire, ouverts à la question et pas du tout culpabilisateurs dans un vrai accueil de la parole des victimes. Et j'avais une deuxième question sur les datas, entre guillemets, c'est-à-dire les chiffres que vous évoquiez. Est-ce que vous avez fait un récapitulatif du nombre, par exemple, au concours, nombre de jeunes filles par rapport aux jeunes hommes, nombre de diplômantes. C'est dans le mémoire, d'accord. Ouais, c'est dans mon mémoire. Et il est accessible, on peut le... Je vais le rendre accessible, oui. Bien d'accord. Sûr. Merci. Excusez-moi. Non, pour répondre à la question, ma direction m'a fourni les données nécessaires à faire cette. Ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement cette anomalie et pour évidemment voir si c'était pas une année ou deux qui avaient présenté cette anomalie, ils m'ont fourni des données sur plusieurs années qui ont permis d'établir ce. Donc c'est un état des lieux sur plusieurs années. Et aussi sur les enseignants donc par filière, vous avez aussi un pourcentage nombre de. D'enseignants masculins, féminins, etc. Alors, par filière, je n'avais pas eu le temps... Ça reste à faire. Il y a encore plein de choses à faire. D'accord, oui. Non, je vous pose la question. Les chiffres sont difficiles. Il a été difficile qu'on me fournisse les chiffres, pas par manque de volonté, mais simplement par manque de clarté dans l'identification des enseignants et enseignantes. Et donc, j'ai établi la chose pour mon secteur, pour montrer sur ma deuxième année, ma troisième année et ma quatrième année la proportion de femmes, sachant qu'en troisième année, je n'avais pas de femmes enseignantes. Et puis il y a une distinction à faire entre les contractuels, les vacataires, enfin, les équipes sont très importantes à l'école. Donc je pense que il faudrait faire une étude assez subtile pour réussir à vraiment comprendre l'état de nos équipes et leur évolution. J'avais une dernière demande de données chiffrées. Parce que je sais que c'est une réflexion aussi dans d'autres écoles par rapport à ce nombre de filles plus important que de garçons. Est-ce que vous avez fait une étude sur 10 ans, 20 ans après, combien d'élèves de votre école sont encore professionnels du secteur? Combien de filles et combien de garçons? Parce que vous avez évoqué dans votre exposé le retrait des filles à partir d'un certain âge et la disparition de certaines filles en 1880. La question se pose-t-elle encore aujourd'hui? Et en tout cas, ça vaudrait la peine de s'interroger sur combien de jeunes professionnels sont des professionnels 10 ans après,
sont des professionnels, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Voilà. Donc, absolument. Je pense que c'est précieux de le faire sur, enfin, justement, sur un temps très long. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 10 ans, etc., pour voir comment les choses évoluent. Un vrai problème que je rencontre, moi, alors, on a des listes d'étudiantes, et c'est important d'essayer de voir ce qu'elles deviennent, etc. Par exemple, le prix de Rome, hein, Lucienne Valmont, est passé par l'école. J'ai retrouvé il y a quelques jours sa date d'entrée. Donc, il y a comme ça des surprises, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément en tête. Mais le problème, c'est que les femmes se marient et qu'elles changent de nom. Et là, c'est extrêmement difficile, parfois, de faire les rapprochements. Donc, s'il y a un appel aux jeunes femmes artistes, c'est ne changez pas de nom, votre nom, gardez-le toute votre vie. C'est votre identité. Ça, c'est pour les historiens. Est-ce qu'il y a une dernière question où on conclut sur cette jolie phrase ? Je ne sais pas si... J'ai une dernière question. C'est plutôt une demande, justement, qui tient à l'après. Est-ce qu'on sait où se trouvent les œuvres de Rosa Bonheur aujourd'hui ? Dans quel musée ? Dans quelle maison privée ? Ah bah, allez visiter sa maison. Alexandra peut vous en parler. Il y en a beaucoup dans sa maison. Je pense qu'ils ne sont pas encore tous exposés. Parce qu'en fait, la famille qui a acheté la maison récemment n'a pas encore, je pense, tout sorti. Mais ils ont énormément de choses. Oui. Seulement, il y a une grande quantité de ces tableaux qui ont été vendus puis rachetés par Anna Klumke, qui était sa compagne de vie à la fin. Mais il y en a beaucoup au musée de Fontainebleau. Et il me semble dans visible ou pas visible. Oui. Allez vous promener. Au musée d'Orsay en particulier. Il faut visiter sa maison ici, à Thomery. Thomery près de Fontainebleau, sa maison est magnifique. Comment ? À Thomery, ça a été fermé, Thomery. Ah mais c'est réouvert Thomery. Et la propriétaire de la maison fait la visite et c'est magnifique et certains de ses tableaux sont il y a non seulement ses tableaux, des gravures, ses vêtements, beaucoup de choses qui lui appartenaient qui sont dans la maison et qui sont magnifiques. À Thomery. Et à Fontainebleau aussi ? Alors, à Fontainebleau, je ne sais pas. À Fontainebleau, c'est exposé. Et puis il y a aussi une grande partie des dépôts d'Orsay qui sont à Fontainebleau. Il y en a à Bordeaux, évidemment. Et puis, il y en a au musée d'Orsay aussi. Les nouvelles acquisitions de dessins de Rosa Bonheur par Leïla, qui doit être dans la salle, seront visibles, je crois, cet hiver dans un espace art graphique. Parce qu'effectivement, continue à acquérir. Elle a disparu en tant que son œuvre. C'est très difficile de voir. C'était une intervention de Sabine Cazenave, qui est conservatrice au musée d'Orsay, qui est l'auteur de commissaire du parcours créatrice, justement, et qui donnait ses précisions sur la localisation des pièces de Rosa Bonheur. Je crois qu'elle ajoute encore quelque chose. Et le musée de Bordeaux prépare une grande rétrospective dans 2 ans, aussi Rosa Bonheur. Donc, effectivement... il y a des œuvres de Rosa Bonheur accessibles. Il y en a une d'ailleurs dans la galerie Chauchard que vous pouvez aller voir tout à l'heure. Et il y a celle, évidemment, si vous avez l'occasion, au, il me semble, Metropolitan Museum de New York. Celle-là, elle vaut le détour. Merci beaucoup à toutes et merci à tous.